خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. صباح الخير عليكم, مساء الخير عليكم بور سالي سو كي فون روغادي سو سوار. ازول في اللون والسلام عليكم, جيسبر كو فوز الي بيان, جيسبر كو فو بورتي بيان. شي موا ايل في بو, اوني على الاكستيريور, اون اون بروفيت دو سو كليما اون سوليي كي مي رابيل مون الجيري ناتال, لو سولي دو مون بيي ناتال, ميم سي اي سا سافور, ميم سي سو كليما الجيريان ميديترانيان est très rarement égalé ailleurs. Peut-être on peut le retrouver dans le sud de l'Espagne, un peu dans le sud de l'Italie, mais ici en France, dans certaines régions, à Paris et ses environs, on commence à franchement ressentir la douceur de cette Algérie méditerranéenne qui me manque tant. Voilà, les conclusions incroyablement étonnantes que nous pouvons tirer de nos dernières investigations sur l'affaire Issaed Rabrab, l'homme le plus riche du pays, la première fortune en Algérie et au Maghreb. Sur Rabrab, nous avons réalisé récemment, au cours de ce mois de mai et depuis le début de ce mois de juin 2023, plusieurs émissions où nous avons fait des révélations assez importantes sur la cabale judiciaire et politique dont fait l'objet cet homme âgé aujourd'hui de plus de 80 ans. J'ai oublié, je pense qu'il a dépassé 80 ans quand même, hein, de ce vieil homme, mais quand même qui a marqué l'histoire du pays. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, qu'on soit un de ses adversaires ou là, un de ses partisans, un de ses fans ou là, un de ses amis ou là, un de ses ennemis, on ne peut tout, on peut reprocher beaucoup de choses à Issaed Rabrab, mais on doit reconnaître qu'il a marqué l'histoire du pays à travers ses activités économiques et son engagement dans l'industrie et dans l'économie algérienne. Moi, je ne le considère pas comme un capitaine d'industrie, pour moi c'est beaucoup plus un homme d'affaires qu'un capitaine d'industrie, mais je ne peux pas, même si je suis un de ses détracteurs et j'ai fait plusieurs enquêtes sur lui et sur son empire pour déterminer un peu les anomalies, les irrégularités de son travail, mais je ne peux que reconnaître et m'incliner devant son goût du travail, devant son engagement dans la création d'emploi et de richesse. Voilà, je le dis, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, on peut être même son adversaire, on peut être même son détracteur, mais on peut souligner ses défauts, mais il faut reconnaître aussi ses qualités, et Issaed Rabrab a des qualités. Mais depuis plusieurs mois, nous enquêtons sur Issaed Rabrab, ses soucis avec le régime Tebboune, comment le système Tebboune s'est retourné contre lui, comment l'affaire Al Irdeiri a causé beaucoup de tort à Issaed Rabrab, et comment au lendemain de l'affaire Al Irdeiri, Issaed Rabrab a été arrêté, interpellé, ensuite placé sous contrôle judiciaire, et là, ensuite, il a été interdit de toute activité économique, de toute gérance et de toute transaction commerciale, et Rabrab fait l'objet, il subit les foudres du régime algérien, et on a expliqué la dimension politique liée aux élections en 2024 et Tebboune qui veut neutraliser d'ores et déjà Rabrab parce qu'il lui fait pas confiance, parce qu'il pensait qu'il allait ou là il voulait faire sortir Issaed Al Irdeiri pour le soutenir encore une fois en prévision des élections présidentielles 2024 et que Tebboune ne fait pas confiance à Rabrab en général et se méfie énormément de lui et qu'il a peur de qu'il le joue, qu'il utilise sa fortune pour jouer un rôle controversé ou là pour jouer un rôle troublant. Et troubler donc l'agenda du clan Tebboune qui veulent un passage tranquille, ils veulent un passage en force, oui, mais un passage le plus tranquille possible, c'est-à-dire que ce deuxième mandat présidentiel que Tebboune veut briguer en 2024, son clan veut qu'il passe comme une lettre à la poste, ce qui ne sera pas possible au regard de son bilan chaotique et catastrophique. Et la situation politique algérienne actuelle, même si elle est endormie, même s'il y a un sommeil un petit peu national, ce sommeil risque de prendre fin avec les élections présidentielles de 2024 où peut-être que si ce n'est pas le peuple algérien, beaucoup de composantes actuelles du régime algérien peuvent dire non, on en a marre, c'est pas le bon président, bon, on devrait choisir un autre président. Ça c'est une autre affaire, il y a suffisamment d'émissions que je vous invite à revoir pour comprendre ce qui s'est passé avec Issaed Rabrab et la relation directe entre le processus électoral de 2024, l'affaire Al Irdeiri et Rabrab. Maintenant, au cours de notre enquête, nous avons découvert d'autres éléments qui sont assez troublants et inquiétants. Pourquoi? Parce que nous avons découvert qu'au sein même de la famille Rabrab, Issaed Rabrab est aussi victime de complots, de manœuvres, de cabales menées par ses propres enfants. Même ses propres enfants l'ont trahi, se sont retournés contre lui et ils lui ont fait des sales coups. Ils ont aggravé son cas, ils ont aggravé la persécution dont il fait l'objet de la part du régime algérien. Parce qu'encore une fois, il est persécuté. Rabrab a fait des conneries, il a des maladresses, il n'est pas blanc comme neige. Mais en ce moment, je ne peux que concevoir, je ne peux que reconnaître qu'il est d'abord victime avant d'être le coupable. Je vous explique. Comment notre enquête a commencé? Notre enquête a commencé lorsqu'on s'est aperçu que le 22 mai 2023, lorsque Abdelmadjid Tebboune est parti au Portugal, le PDG du groupe Civital, Malik Rabrab, le fils même de Issaed Rabrab, pratiquement, si je ne me trompe pas, le fils aîné, en tout cas, Omar, c'est lui l'aîné,
je crois que Malik est le deuxième, mais peu importe, c'est l'un des enfants les plus importants de Rabab, parce que, auquel, avec lequel il était le plus partagé, auquel ils avaient une grande proximité. Parmi les fils les plus proches de Rabab, c'était Malik. Malik Rabab est PDG du groupe Sovital. Au moment même où Malik Rabab voyageait avec Abdelmadjid Tebboune, en Portugal, son propre père était auditionné par un juge d'instruction au niveau du pôle économique et financier d'un tribunal de Sidi Mahmoud. Déjà, Rabab était placé sous contrôle judiciaire. Déjà, il était arrêté dans des conditions très troublantes. Zaid Mbaad ou Lidou, comment se fait-il que le père est persécuté, humilié, suspecté, emmerdé, alors que le fils voyage avec le président de la République? C'est quand même bizarre. Si le fils pouvait voyager, comme si le fils est toléré, réhabilité, considéré et bénéficier des faveurs du pouvoir, pourquoi le père non? C'est une situation anormale. Normalement, quand c'est le père, c'est Saad al-Barab a des problèmes, son fils, ou il se solidarise avec son père, ou il va subir les mêmes foudres du régime algérien que son père. À moins que son fils ait des relations différentes avec le régime Tebboune, des contacts différents, une manière de faire, ou là, une façon de travailler avec le régime totalement différente de celle de son père. Nous avons poursuivi notre enquête, nous avons découvert aussi que le 30 mai 2023, le jour même de l'inauguration de la nouvelle usine, méga usine du groupe Civital pour la trituration des graines oléagineuses qui permettra d'améliorer la fabrication, de renforcer la fabrication, la production de l'huile alimentaire, de l'huile de table en Algérie, le 30 mai, au moment où Malik Rabab et Walid Bjaya faisaient une fête, une cérémonie pour l'inauguration de cette méga usine, et Saad al-Barab était où? Dans un, encore une fois, dans le bureau d'un juge d'instruction du tribunal de Sidi Mohamed, toujours au niveau de la section du pôle économique et des affaires financières. Yani, aux deux moments, pendant les deux jours où Malik Rabab, PDG du groupe Civital, participait ou l'a organisé des événements importants pour le groupe en complicité ou l'a avec la participation ou la sous l'égide des autorités algériennes, son propre père et Saad al-Barab étaient auditionnés, emmerdés et retenus pendant plusieurs heures dans le bureau du juge d'instruction. Incroyable. Alors, puis finalement l'affaire al-Barab sur le plan judiciaire au Chnouhia. Sur le plan judiciaire, al-Barab est inculpé pour transfert illicite de devises et violation de la réglementation de change pour trois virements, trois transactions. Qui datent tous, pratiquement la principale transaction, date d'avant 2019, même avant 2018, 2017-2018, avant même le Hirak et les événements politiques. Il y a trois transactions. La première transaction, c'est 9 250 euros. La deuxième transaction vers l'étranger, elle est d'une 16 millions d'euros. La troisième transaction, elle est de 65 millions d'euros. Ce sont des transferts de devises qui ont été accomplis par le groupe Civital quand il était dirigé par les Saad al-Barab. Alors, les 9 250 euros, c'était en 2020. D'après nos investigations, c'était pour l'achat ou pour le renouvellement des titres de propriété de la marque Brandt que possède le groupe Civital. Les 16 millions d'euros ont été refusés, n'ont jamais pu être transférés parce que le Civital a demandé à ce qu'ils soient transférés vers la France pour les besoins de son investissement en France. Et c'était avant le Hirak, avant 2019, c'est entre 2018 et 2017. Et ça a été refusé par la Banque d'Algérie. Et les 65 millions d'euros ont été autorisés. Il devait servir à un investissement en Italie. Je vous rappelle que le groupe Civital, entre 2016, 2017 jusqu'à 2018, il s'était intéressé au marché italien. Il a acheté une aciérie dans une région du sud de l'Italie, mais ça n'a pas marché. Et les Italiens, avec les syndicats et tout ça, ont remarqué que le groupe Civital n'avait pas tenu ses promesses, il n'avait pas les capacités financières parce que l'État algérien refusait de l'autoriser à transférer ses devises pour investir en Italie. Ouais, donc les 65 millions d'euros qui devaient servir à un investissement en Italie, finalement, Rabab Kishaf, il a de grosses difficultés pour la création de cette aciérie et sur laquelle nous allons revenir. Hein. L'aciérie Piombino-Ouad, c'est un autre dossier. On parle de Maha Kompesef dans les détails techniques. On va faire une émission de plusieurs heures. Allez, les détails, les transferts en devise du groupe Civital. Dis-le, il y a une autre émission. Je fais un bon, les dossiers judiciaires où je fais. Donc, il y a les 65 millions. Au lieu de servir à un investissement en Italie, Rabab les a transférés finalement vers la France pour son investissement en France avec la marque Oxo pour les fenêtres, avec Brandt et d'autres marques dans l'électroménager qui sont reliées au groupe Brandt. Donc là, il est soumis à une enquête pour dire, un, pourquoi elle a transféré cet argent, les 65 millions d'euros que tu as menti, tu devais les faire en Italie, tu les as fait en France. Donc, il y a eu des problèmes pour les autorités algériennes, il y a soupçon de transfert illicite et détournement de devises.
Voilà. Mais encore une fois, donc les devises, normalement, elles ont été utilisées sur le compte devise de ce groupe Civitta, parce que Civitta exporte des produits notamment alimentaires. Une partie de ces produits alimentaires, c'est m'appelé, une partie de ces devises, normalement, la loi algérienne, à la Balcom, 50% tu exportes en Algérie, 50% tu les gardes sur ton compte personnel, 50% sont récupérés par l'État et l'État te les donne en dinars. Donc tu n'as qu'à droit qu'à 50% quand tu exportes. C'est une loi anormale. Elle empêche le développement des exportations. C'est pas normal qu'un exportateur algérien gagne des devises. On lui donne qu'en 50%, on lui donne le droit de toucher que 50% de ses devises. Mais Alinech, c'est un autre débat économique. Quelles les informations ninja ouvrent la justice algérienne? Parce que c'est des informations déjà de l'intérieur de Civitta. Alors bravo, nous avons découvert le cours de nos investigations qu'il a été dénoncé à la justice et au service de sécurité, les détails techniques. Parce que pour avoir tous les détails techniques, où je dérobe les 9200, les 16000, les 36 millions d'euros et les 65 millions d'euros, c'est une dénonciation. La justice algérienne a bougé, elle s'est mise en place, parce qu'il y a eu l'affaire Plata 2019 pour l'importation des équipements pour un projet d'épuration d'eau, etc. Cette affaire, on en a déjà parlé, elle est à part, elle a été clôturée. Là, c'est une nouvelle affaire qui concerne les trois transferts. Toutes les informations sur lesquelles se sont basées les magistrats de Sidi Mohamed et les services de sécurité viennent d'où? Viennent de l'intérieur du groupe de Civitta. Où je compte, Issa Darabarab, tenez-vous bien, ce sont ses propres enfants. Ses propres enfants. Rabarab a été victime d'un complot ourdi de la part de ses quatre enfants. C'est quoi l'histoire? Rabarab a quatre enfants. Omar, Malik, Yassine, Salim ou Linda. Cinq enfants, c'est quatre. Omar, Malik, Yassine, Salim ou Linda. Rabarab, il s'avère, et je me rends, il s'était remarié en 2019. En 2019-2020, il s'était remarié avec une femme, une Kabyle originaire de Blida. Elle est de Blida, mais c'est une Kabyle. Et le remariage de Rabarab, qui a été officialisé de cela 2 ans et demi, presque 3 ans, a fortement déplu à ses enfants. Où les deux matchs, et s'est remarié. Une femme oublie le groupe Civitta, les actions du groupe Civitta sont divisées comme ça. Issaad Rabarab, il a 44%. Où les deux, ils ont 11% et quelques. Et sa femme, sa première femme, elle a 1%. C'est ce qui permet d'avoir un équilibre. Mais l'actionnaire majoritaire, c'est Issaad Rabarab. Il faut savoir qu'entre Issaad Rabarab et ses enfants, le courant ne s'est jamais bien passé. Les enfants d'Issaad Rabarab n'ont jamais aimé l'engagement politique de leur père. Issaad Rabarab était critique contre le régime Bouteflika, il a soutenu Ali Erdéli, il était proche du général Toufir et des anciens hauts gradés du renseignement militaire. Il avait des relations, il cultivait des relations politiques, il voulait s'engager en politique. Rabarab a toujours voulu avoir de l'influence politique dans le pays pour d'abord protéger son empire, d'abord défendre ses idées et une certaine vision qu'il voulait imposer ou une certaine vision qu'il avait de l'avenir du pays. Ses enfants n'ont jamais voulu qu'il fasse de la politique, ils n'ont jamais voulu qu'il garde le journal Liberté, ils n'ont jamais accepté, ils n'étaient pas d'accord avec lui pour le rachat du groupe Al-Khabar, etc. Frisan et Bouteflika. Ils n'ont jamais voulu que leur père, au moins ils ont toujours fait la pression sur leur père, ils se sont toujours battus et disputés avec leur père en lui disant arrête de faire de la politique, laisse-nous faire que du business, laisse-nous uniquement gagner de l'argent et restons neutres. On parle de rêve les affaires économiques, on ne se mêle pas, on ne fait pas de l'opposition, on flirte pas avec les opposants, on ne veut pas avoir des problèmes avec les services de sécurité ni avec le pouvoir. Warabarab n'était pas d'accord avec ses enfants, il n'aimait pas, ses enfants manquaient de courage. Voilà, clairement, il voulait juste gagner du fric. Il ne voulait pas que le groupe Civitta ou que la famille Warabarab ait des relations en politique, etc. Mais depuis longtemps, il y a un gros truc différent. Warabarab, toujours, il se plaignait. Ses enfants n'étaient pas d'accord avec lui, ou là, il l'emmerdait à chaque fois qu'il voulait prendre une décision, ou là, aller dans des projets. Au moins, ses enfants étaient en désaccord avec lui parce qu'ils ne voulaient pas que leur père prenne une stature importante, surtout qu'il ne se mêle pas des affaires politiques du pays. Le désaccord était là. Mais quand il s'est remarié, ses enfants, ils n'ont pas accepté le fait que leur père se remarie, ou qu'il blâme une nouvelle femme. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2020, les problèmes binettes. Donc, les enfants de Rabarab, puisque leur père est devenu âgé, il s'est remarié. Et comme il y avait beaucoup de désaccords sur la manière de gérer ses vitales et sur la manière d'entretenir les relations avec le pouvoir politique, Rabarab voulait ramener des nouveaux actionnaires, ou l'aide ou Khaloulou, non. Rabarab voulait que j'ouvre le conseil d'administration à de nouvelles personnes, ou l'aide ou ses enfants, ils ont dit non. Rabarab voulait initier d'autres projets. Un bras de fer commençait à s'installer.
Madouche et Dilo, ses enfants, pour écarter leur père, ils ont commencé à alimenter les services de sécurité. Ils ont commencé à partiser avec le pouvoir algérien. Malik Rabrab a un ami très proche de lui au sein du clan Tebboune, Lioua Kamel Sidi Zaid, qui est le directeur de communication, directeur de relations presse de la présidence de la République, et qui est l'un des proches conseillers de Abdelmadjid Tebboune. Et Kamel Sidi Zaid a travaillé comme consultant à un CVITAL, où Malik Rabrab a fait un plan, c'est lui qui faisait parvenir des informations à Kamel Sidi Saïd, et c'est lui qui a demandé en partie, c'est les enfants Rabrab, c'est Malik Rabrab qui a voulu faire un coup d'état contre son propre père. Pour le pousser à la sortie, qu'est-ce qu'ils ont décidé, Malik Rabrab et ses frères et sa sœur, la seule solution est d'empêcher notre père de rester président pour qu'on puisse sauver notre empire, pour empêcher sa nouvelle femme d'entrer dans les affaires de notre groupe, et pour empêcher que son père fasse de la politique, etc., et nous ramène des problèmes, il fallait l'écarter du pouvoir, M. Vital. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Malik Rabrab a contacté avec Kamel Sidi Saïd et ses Rabi Boucher. Il a fait une alliance avec le clan Tebboune. Il commençait à leur alimenter en information. Il a dit « Aidez-moi à me débarrasser de mon père, à devenir moi-même le numéro 1 de Civital. Et comme ça, vous n'aurez aucun problème pour le deuxième mandat. On vous soutiendra et on va fermer le quotidien Liberté. Et le groupe Civital sera neutre politiquement et on se consacrera qu'aux des projets économiques pour améliorer le bilan de Majid Tebboune. » En prévision des élections présidentielles de 2024. Et d'un autre côté, Linda Rabrab, la fille de Rabrab, était mariée, et toujours mariée d'ailleurs, à quelqu'un qui s'appelle Mohamed Sherif Melk, voilà, qui est l'enfant, qui est le fils de Reda Melk, l'ex-chef du gouvernement, etc. Hadar Mohamed Sherif Melk, c'était un ancien colonel de l'aviation militaire. Wando des relations importantes avec l'institution militaire, Wando des relations importantes avec les services secrets et les services de sécurité. Bdaou, les enfants Taoul, ils ont utilisé Hadar Mohamed Sherif Melk pour faire peur à leur père. Gelolo, voilà, Mohamed Sherif il a donné tel dossier au service de sécurité. Jmaat Antar, ils ont appelé Mohamed Sherif Melk. Ils lui ont demandé des informations sur toi. Dawi Khoufoube, Gelolo, il est en contact, il subit des pressions de la part des services de sécurité et de la justice pour te faire tomber et pour te causer des problèmes à cause de tes idées et ta proximité avec, parce que Tebboune m'habbeksh, Tebboune se méfie de toi, et tu as gardé ta proximité avec certains opposants, et tu veux garder Liberté, tu veux développer encore les médias indépendants, et ça, Tebboune n'en veut pas. Khoufou, ils ont fait tellement de la pression. Kharjou, le 30 juin 2022, Kharjou, il a pris sa retraite. Ça même bête. Rabrab, il a découvert, il ne savait pas que Malik Rabrab et ses enfants ont comploté contre lui, avec le clan Tebboune et ou avec les services de sécurité. Il ne savait pas, il pensait réellement que Tebboune allait le neutraliser et ou là lui faire le porter préjudice. Qui faire quand il a fait ensuite sa propre enquête ou faire belier, ses enfants l'ont écarté, ont pactisé avec le système pour le mettre à l'écart. Anar Rabrab voulait revenir. Et je vous donne l'exclusivité, oui, Rabrab voulait revenir aux affaires du groupe Civital. Et lorsque Houma, Malik Rabrab ou l'Ukraine ont su que leur père voulait revenir aux affaires, c'est là où ils ont demandé au clan Tebboune de renforcer ou d'intensifier la répression, la persécution dont faisait l'objet leur père pour le neutraliser définitivement. Pas pour le mettre en prison, au moins le mettre sous contrôle judiciaire et l'interdire de toute activité de gérance. L'interdiction qui lui a été imposée au cours de ce mois de mai par le tribunal de Sidi Mohamed qui a été communiqué à tous les notaires du pays, à savoir l'interdiction de toute gérance, de toute transaction commerciale et financière, a définitivement cassé les intentions de Rabrab de revenir au pouvoir. Parce qu'il y a une interdiction, la justice voulait, s'il y avait l'affaire à l'Irdéli, Tebboune voulait juste empêcher Rabrab de financer l'Irdéli ou un autre candidat potentiel. Mais l'interdiction de gérance et de transactions économiques et financières entre dans le cadre, de cette stratégie proposée par Malik Rabrab et ses frères et sa sœur avec le clan Tebboune pour définitivement neutraliser Saad Rabrab et le faire disparaître de la scène publique. C'est l'autre aspect, c'est les aspects secrets de l'affaire Rabrab. Et nous allons vous faire d'autres révélations pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants Rabrab et avec Rabrab lui-même. Mais retenez que Saad Rabrab n'a pas qu'un problème avec le clan Tebboune, il a aussi un énorme problème avec ses propres enfants qui ont aussi conspiré et comploté contre lui pour le mettre à l'écart. Et c'est pour ça que c'est un feuilleton extraordinaire. Et au cours de nos investigations, nous sommes en train de faire des découvertes vraiment hallucinantes. A plus tard, Rajma, pour d'autres révélations.